C'est tout bon. C'est par là. Salut à tous. Aujourd'hui, le programme de la balade, c'est de faire le tour de l'étang de l'Or, qui est un étang au sud-est de Montpellier, qui est assez gros. Donc, le tour va faire une soixantaine de kilomètres. C'est très joli. Il y a des petites maisons, des cabanes de Lunel, parce qu'on va passer à côté de Lunel. Et là, donc, on est au départ de Montpellier, de l'hôtel de région derrière moi, d'Antigone de ce côté-ci. Et c'est parti. On est arrivé devant l'étang de l'Arnel, qui est là, vous voyez, c'est bien joli, et juste derrière l'étang de l'Or. Et donc on va basculer vers l'étang de l'Or, parce que là on est du mauvais côté, et puis on va se taper 10-15 km de ligne droite. Vous allez voir, c'est magnifique. On va passer ce petit pont à droite, alors qui est strictement interdit au public. Ah oui, genre vraiment quoi. On est passé de l'autre côté du canal en passant par espèce de départemental dégueulasse là. Donc là on est parti pour je dirais minimum 10 km. C'est ça ? Ouais. Alors, l'enfer c'est quand tu as le vent de face. Je l'ai fait une fois, la première fois, j'avais pas pris soin de vérifier la direction du vent, la force du vent avant de planifier la balade. Et vous avez cette petite maison, je sais pas si on la verra à la caméra. Il y a une vieille bicoque abandonnée, complètement défoncée. Ça fait des photos assez sympas. On est à 18 à l'heure et on dépasse le bateau sans problème quoi. Le vent est derrière nous, sans forcer. C'est peut-être pour ça qu'on double les bateaux en fait, je me rends compte. Pas précisé, mais là on longe le canal du Rhône à 7, je crois il s'appelle, parce qu'il va du Rhône à 7. Mais en fait l'étang est juste derrière. Là il y a un bras de terre à côté du canal et vous avez l'étang derrière. Tout simplement. Toujours nos amis les barrières. Nos amis les hérons. On est sur le pont qui enjambe le canal du Rhône à 7 et il y a des cyclistes qui continuent tout droit. Donc voilà, j'imagine, plein est, vous allez jusqu'à Marseille, j'imagine. Mais nous, on contourne l'étang de l'Or qui est là. Je sais pas si vous le voyez derrière les moult barrières. Après, on rebifurquera à nouveau à gauche vers l'ouest avec le vent de face pour rentrer à la maison.
train de réaliser qu'il faut que j'achète un Hat Saver à mon fils. Le Hat Saver, c'est un garde-boue. Voilà. Qui est pliable en plastique. Ça vaut 10 balles. Ça marche super bien. Ah, celle avec les volets bleus, là. Si c'est pas choupi, ça, je sais pas ce que choupi, moi. Hein. C'est à gauche là. Ah, il est beau ce pain, je sais pas comment il tient, mais il tient. Je vois qu'il reste 25 km, on a vraiment tracé, on n'a pas vraiment fait de pause. J'espère qu'on va pas avoir le coup de calgon, parce que là le vent commence à être de face, c'est pas le moment. Petite pause champêtre sur le bord du canal. Voilà, là on retourne plein ouest, du coup on a un petit vent de face. Mais ça va, il est pas méchant. Bonjour, tout va bien? Oui, ça va. Ok, super, de rien. Avec le vent de face, c'est moins drôle, hein. On roule plus vite sur le bitume avec le vent de face que sur le gravier avec le vent dans le dos. Ah, mais t'es comme ça toi, 35. Ça décrasse. C'est bien, on va bien manger ce midi. Ouais. Attention, priorité à droite. Ben, ça c'est une technique pour dépasser ton fils quand t'en peux plus. Quelle indignité. Et je regarde plus la trace. Ah c'est bon. Eh ben, putain. Allez, mollo là. Hein. Oh, il y a une drôle d'église. La drôle d'église. Ah, il y a de la vieille pierre, quoi, hein. Alors, bienvenue à Bagdad. Pourquoi est-ce qu'il faut un gravel à la campagne? Je ne sais pas. Là, tu crois que c'est un cul-de-sac. Et c'est pas un cul-de-sac. Mais par contre, putain, même à vélo, ouah! Il y a 300 ans, les gens étaient extrêmement minces, car affamés. Ouais, franchement, ça va. Wow, c'est bien, ça, c'est cool. Ah, Peter Sagan, c'est moi qui ai la trace. Hein. Les petites chèvres, coucou, rien à foutre. D'accord, là-bas il y a un bébé chèvre qui court. Et donc là je viens de gagner 25 abonnés. Elle tête, 200 abonnés.
comment faire des vues. Un peu de choses quand même. Passage à base de blocs de Minecraft. Tu reconnais Minecraft un peu là? Ça fait des années que j'ai pas vu.